Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre aventure State of Decay 2 en mode mortel, en partant de zéro et dorénavant sur la carte de Trumbull. On va reprendre notre aventure où on l'avait laissé la dernière fois, c'est-à-dire que ben on avait un petit peu amélioré notre base, c'est la base avancée du Red Talon. On est dorénavant 7 dans l'équipe puisque j'ai récupéré le beau-frère de je sais plus comment il s'appelle c'est un ancien flic, il est pas trop mauvais au tir, bon en dehors de ça il a pas grand intérêt, mais on est 7. Et du coup je pense que pour cette fois-ci on va peut-être changer de crémerie, on va peut-être essayer de récupérer la ferme qui se trouve au milieu de la map. Alors c'est une base qui est très intéressante hein, parce qu'elle est très bien placée, parce qu'elle est très grande, beaucoup d'infrastructures. Le truc c'est qu'elle coûte très cher, elle coûte 3500, donc je sais pas combien j'ai en points d'influence, mais je pense pas à les avoir. Donc on va peut-être faire 2-3 missions en attendant, et ensuite voilà, le but ça va être d'intégrer cette nouvelle base. Allez, c'est parti! Voilà, donc on est dans la base avancée du Red Talon. Donc en plein cœur de la foire. Voilà. Donc au niveau de la base, donc il me manque un lit, hein, c'est d'où mon intérêt à vouloir changer, en dehors de l'envie. Donc au niveau bouffe, on est moyen, hein, moins 4,75, alors là je suis en train de faire pousser, de planter des graines, donc ça va améliorer le rendement. Ça veut dire que je vais avoir à peu près 3,5, je pense récupérer au moins un point de bouffe supplémentaire. Alors c'est quand même encore précaire, hein, très précaire même. Ensuite, au niveau médoc, très bien. J'ai une alliance très efficace avec les tout-terrains. Et ensuite j'ai un avant-poste que je peux upgrader si j'ai besoin. Niveau munitions, là c'est un problème, je suis à moins 1, j'ai pas encore trouvé d'endroit que je pourrais récupérer en avant-poste pour récupérer des munitions. Donc ça va être l'un des objectifs à atteindre rapidement. Niveau matières premières, je suis à moins 3, pas terrible non plus. Alors j'ai les coffres pleins de sacs de matières premières parce que si je les mets dans la réserve, je suis au-delà de ma limite, donc ils finissent par se perdre. C'est pour ça que j'ai chargé le coffre de ma voiture, mais du coup quand je pars je peux pas récupérer grand chose. Ensuite en carburant, ben, plus 2 parce que j'ai pris un avant-poste du côté de la petite ville là au nord, je sais plus comment il s'appelle, mais pour booster un petit peu le carburant parce que je fais quand même une bonne consommation de cocktail Molotov, donc voilà, c'est quand même utile, en plus de Noémie qui a ce talent rare de siphonner les réservoirs. Voilà, en influence, je suis à 2983, donc il m'en manque hein, pour récupérer la base que je convoite, qui se trouve ici. Alors, il y a encore un cœur de peste à détruire, bien sûr, mais deux même. Il y en a un que j'ai pas encore repéré, qui, à mon avis, doit se trouver là. Donc il va falloir la dégager pour pouvoir la récupérer. Alors elle est accessible à 6 personnages. En réalité je pensais que c'était 7, en fait c'est 6. Bon, de toute façon j'ai pas encore les moyens, donc on va faire quelques petites missions et peut-être justement détruire les cœurs de peste qui sont en train de la... enfin qui sont à proximité. Ouais, au niveau des avant-postes de munitions, c'est un peu la merde. Là, il y a bien cette armurerie. Là, il y avait un cœur de peste que j'ai détruit, mais il en reste encore deux. Et c'est quand même laborieux. Hein. C'est laborieux. Ah putain, c'est pas vrai.
rien. Je vais faire poser. Alors, je l'ai pas vu péter, je suis étonné. Ok, donc là ça a bien pété, le premier je suis pas sûr. Hein. Exactly what I was hoping for. Only have one left. Not be fun. Weird, but fun. I can't catch my breath. C'est quand même pas mal hein, ces effets de lumière là, avec les zombies là, qui passent devant, franchement je trouve ça vraiment bien. Ah, un sauvage évidemment, ça manquait hein, on s'ennuyait un peu donc évidemment. Fire in the hole!
Au pire, il y a la voiture. Cette voiture-là pour se réfugier. Fuck, my eyes are burning. Allez, grimpe, putain, voilà. Bon, ben là maintenant on va gérer tranquille. Voilà. Donc là, je m'éloigne, histoire de disperser tout ce petit monde. Et ensuite, eh ben, je reviens. Hein. Alors... That's pretty heavy. Putain, c'est pas vrai. Way too loud. Ok. Et là, je revendique. Du coup, je peux me vider hey, les poches. I just finished a new outpost. And I gotta tell you, it's looking good. You know, come to think of it, I can see how we might improve this place even more. Cobwebs. Oh, thanks. Pas grand chose, hein? And that's that. Oh, putain. C'est une armurerie, il n'y a pas une seule arme, tu rêves. Bon. Hey neighbor, it's Tressie Huerta calling from down here in Marshall. Stay away from bon, the très bien. Okay? I'm worried about you. Still at it, huh? Alors, je suis plus très loin quand même des 3500, donc je vais vendre 3 merdes à des voisins. Il y a lui, le soldat solitaire, mais je risque d'être tenté de lui acheter des conneries. Bon, il y a eux, ils sont pas très bien placés, il y a toutes ces infestations, ben ouais, à la limite, je vais peut-être en détruire une ou deux. Du monde là. Je sais pas s'ils sont dedans. Ouais, ils sortent. Ah.
Ouais, tiens, tant qu'on y est. Tiens, reviens là, toi. How's it going? Toc, okay, let's see what you've got. Et toc, ça fait 100 balles de plus. Bon. Ok. Et là, à la limite, est-ce que je peux pas les bombarder de là-haut? Avoir le dernier hurleur. Et voilà. 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 S'il y a trop merde à vendre à mes nouveaux voisins. They heard that. Très bien. I feel much better now that we've gotten rid of some of these infestations. Wow, 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 wow. Il faudrait pas qu'il me tue les voisins, j'en ai besoin pour vendre mes merdes, moi.
côté. Alors je reste à proximité de manière à attirer les sauvages à proximité de la zone de tête. Hein. Avec un peu de chance, ça en fait s'en tuera un, mais non. Je m'en suis pris plein la gueule là. Few moments later. Donc là, il est évident que à la première mauvaise rencontre, je suis mort. Donc on va y aller très soft. Bon, on va vite changer de perso parce que là, c'est pas terrible pour elle. Alors, qui c'est qui en dans le pétrin ? We're sending reinforcements right now. Thanks. Ah, ils sont au bout du monde, quoi. Pff. Bon, je vais en profiter pour. Voir l'agent des primes. Oui, à la limite, je peux faire un voyage en un. Enfin, je vais les aider. Je vais voir l'agent des primes. Et avec un peu de chance, comme je leur aurais vendu plein de merde, je pourrais prendre la base. Donc, à la limite, pourquoi pas. C'est ce qu'on va faire. En tout cas, on va essayer. Donc, il me faut. Donc, munitions, c'est bon. Ça, c'est pas assez performant. On va prendre ça. Je vais me recharger en cocktail, c'est pas beaucoup là. Hein. Voilà. Donc toc. Il me faut un bidon d'essence. Et ensuite, eh ben, les trois merdes à vendre. This is seriously too heavy. Ça c'est quoi ça, collection de jeux? Bon ben voilà. Hein.
Bon, ben voilà. Hein. Je pense que je devrais pouvoir y arriver là. Oh putain, mais là, c'est la base, c'est chiant. Hein. Donc, la menace sur la base, voilà, je la déclenche en restant ici. Par contre, je vais m'en aller. Donc là, je prends un autre bidon. Et je vais les laisser gérer comme des grands. Ça ira très bien. Bon, allez. Donc je suppose que ça va me faire des points de. Sure, no problem. Voilà. 110. Là, je pense que j'ai assez maintenant. Il y a un boursouflé dedans. Ok, donc échanger. Ah, ils ont du matos. Mais je vais pas acheter. Je vais essayer de résister à la tentation. Voilà, donc là je peux. Donc, elle est où ma voiture? Donc, ben là je vais peut-être aller voir l'agent des primes, hein, puisque j'ai pas encore été le voir et je sais pas ce qu'il propose. Oula, oula, oula. Évidemment. Putain, il y a du monde. Alors, parlons prime. M4C QBR, anti-émeute, ça a l'air bien ça. On prend ça. Arracher 70 bras. Bon, ça va être vite fait ça. Quatre missions sans compagnon, j'en ai jamais des compagnons, donc ça va être vite vu. Très bien. Et puis quoi d'autre? Bon, tout ça j'ai. Ouais. Bon, ok. C'est surtout celui-là, le trifecta. Ah ouais, c'est pour avoir des. Bon, ouais, ça n'a pas grand intérêt. Allez, on va récupérer la base de nuit, bien entendu.
Voilà, donc la base, c'était l'ancienne ferme. Et ils ont rajouté, en fait, ils ont fait une enceinte pour regrouper donc la ferme qui est là, hein, avec 2-3 hangars. Et la grange qui est ici. Du coup, ça nous fait une base qui est super grande. Beaucoup d'emplacements. Et beaucoup de zombies. Alors la maison qui dans State of Decay 1 était la base, hein, avec les différentes pièces, donc il y avait différents aménagements bien sûr. Là en fait elle est, me semble-t-il, complètement sous-exploitée, c'est-à-dire que peu importe les différentes pièces de la maison, c'est l'infirmerie point barre. Je trouve que c'est un peu dommage, elle est un peu gaspillée il me semble. En fait voilà, on a une base qui est immense, mais qui est... à mon sens, un peu gaspillé. Ils ont pas su, je trouve, gérer tout cet espace et rentabiliser. Pourquoi je peux pas la prendre encore ? Site non sécurisé. Ils ont pas su, je trouve, rentabiliser tout cet espace qui est un peu gaspillé. Bon, là, ça devrait être bon, je pense. Ouais, c'est bon. Toc. Ah, écoute la peau du cul, hein, par contre. Voilà. Voilà, donc, la base. Alors, il faut la retaper, mais il y a trois grands emplacements ici, plus un là, il y a un petit ici, un petit là. Enfin, c'est carrément énorme, en fait, hein. Ça, c'est pas une tour de guet, c'est en fait le centre de commandement. Voilà. Du coup, ben, il va falloir construire une tour de guet. Et je la verrai bien là, dans ce coin-là. Il y a des carcasses de bestioles crevées qu'il faut virer. C'est où ? C'est ici. Voilà, c'est le recoin qui est ici. Là, il y a une cuisine là-bas, c'est une cuisine d'extérieur. Bon, ok, à retaper. Ah, putain. Voilà. Voilà, on nettoie le tas de merde. Et puis, ben, après, on va... on va s'installer. Alors là, bah évidemment, je vais faire une ferme. Ah, j'ai plus de main d'œuvre. Bon, on va être un petit peu patient. On va attendre. Mais sinon, bon, elle est très bien comme base. Hein. Et puis surtout, voilà. Quand on est ici, on peut aller ici à pied. On peut aller ici. C'est un peu plus risqué, mais on peut y aller à pied. Enfin, on est loin de nulle part à part du montaneur. Mais bon, le montaneur, j'irai que pour les missions Hoffman. Et puis voilà. Alors, on en est où ? Là, dans ce petit hangar, il y a, ça sert de dortoir. Donc à retaper, bien sûr. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est pas très cossu, mais ça va le devenir. Donc là, bien entendu, au niveau gestion, la bouffe, c'est limite catastrophique, mais je pensais mettre deux fermes côte à côte. Ce que je fais jamais d'habitude, hein, parce que c'est... enfin, c'est beaucoup, hein.
ça prend beaucoup de place, mais là j'ai tellement d'emplacements de dispo que bah, finalement, pourquoi se gêner? Vu que j'ai pas les connaissances pour faire une ferme niveau 3, bah, c'est pas grave. Alors, on retape le dortoir. Donc là, en fait, la maison est entièrement dédiée à l'infirmerie. En fait, c'est une infirmerie plus-plus, hein, puisqu'en fait, comment ils appellent ça? C'est la clinique des réfugiés. Donc en fait, on a différents... Voilà, ça, c'est une salle, un dortoir, enfin, une chambre d'hôpital. Là, on a un autre, pratiquement, c'est un bloc. Là, on a donc les rangements. Là, on a, je sais pas ce que c'est, bah, un cabinet de toilette. Donc c'est plutôt, ouais, c'est plutôt bien foutu, hein. Là, bonne cuisine, mais finalement la cuisine, elle est présente, mais il me la compte pas comme telle dans la base, hein, puisque là j'ai en fait c'est un barbecue de jardin, j'ai une cuisine d'extérieur, mais là-dedans il me compte pas de cuisine. Donc en fait toute la maison c'est une clinique. Donc c'est très bien, hein, mais c'est ouais ça me paraît un peu sous-exploité comme emplacement tout ça. Après c'est pas grave, hein, c'est looké, hein. Alors voilà donc le dortoir qui est avec enfin ils auront jamais eu autant de confort, hein, petite zone de stockage, des lits, une commode et des cloisons. Donc voilà, ça c'est dortoir pour 6. Est-ce que j'ai assez d'ailleurs? Ouais, j'ai suffisamment de lits. Il y en a un là, et puis où c'est qu'il y en a? Les lits. Ah ouais, j'ai des alliés qui me fournissent des deux lits. Donc là, ça va. On va faire une petite tour, hein. Donc dans l'idéal, si je pouvais avoir l'électricité, ce serait bien. Je vais peut-être virer cet avant-poste-là d'artillerie, parce que finalement, bon, ça m'a parfois sauvé la vie, hein, mais bon, c'est pas absolument indispensable. Donc... Au niveau bouffe, je vais réduire grâce à ma ferme et ensuite à la seconde ferme, donc ça devrait être bon. Au niveau des médocs, on est bien. Alors la clinique consomme 2, mais voilà, j'ai ce qu'il faut, donc ça va. Alors tant que mes alliés restent là, hein, il faut... Ah mais je suis au-delà de mes capacités, il va falloir que j'augmente mon stock. Munitions, on est bien. Alors là j'ai peu, hein, mais je suis à plus 2, donc ça devrait revenir dans l'ordre. Matière première, je suis toujours à moins 2, donc il va falloir voir si je fais pas une zone de rassemblement. Et essence, bon ben on est bien. Les stocks sont bas, mais comme on produit, donc ça va. Alors 2 jours, bah, ça donne ça à la base. Là je suis en train de construire une zone de rassemblement. Il y a un vilain bug au niveau des dortoirs. Ranger les dortoirs activés, désactivés, réactivés, désactivés, etc. Donc j'espère qu'il va se calmer. Là j'ai une tour niveau 2, une tour de guet niveau 2. J'ai des gros lags qui puent du cul. Donc la grange, en fait, pour l'instant, elle est peu exploitée. Là, c'est mon rangement. Là, j'ai un emplacement qui sert à rien pour l'instant, mais j'y mettrai, je pense, mon atelier, puisque je crois bien qu'il n'y a pas d'atelier. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'atelier, donc j'y verrai bien donc un atelier. Voilà. Donc là, on a là une zone de stockage qui, en fait, est complètement inutilisée. Donc, dommage. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, c'est qu'en fait, c'est très grand, mais il y a beaucoup d'espace, mais ça sert à rien, en fait.
Là, il y a une sortie par derrière. Alors, c'est une sortie pour moi. Ça peut aussi être une entrée pour les zombies. Hein. Ils vont avoir tendance à m'attaquer par là. Ce qui peut poser problème parce que mes PNJ ont pas forcément la jugeote pour défendre cet endroit-là. Ensuite, ma première ferme, puis la seconde. Voilà. Deux parkings. Là, il y a un emplacement, un grand emplacement. Mon dortoir. Donc, on l'a déjà vu. Voilà. Ici, je crois qu'il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Potentiellement, ça aurait pu être une chambre, mais en fait, il n'y a pas moyen de l'équiper. En fait, ça correspond à cette pièce-là, mais elle n'est pas exploitable. Donc, pareil, de la place perdue. C'est bête. Là, il y a un emplacement de disponible. Et mon barbecue, c'est-à-dire ma cuisine d'extérieur. Jolie vue sur la montagne. Voilà. Ma base. Alors le truc c'est que voilà, je suis en menace constante malgré la tour de guet niveau 2, hein, enfin qui ne fait diminuer la menace que de 2 en fait, hein, c'est pas non plus extra. Mais voilà, ma communauté fait beaucoup de bruit. Donc bon, il y a le niveau de difficulté, il y a Teddy qui est le bourrin du Red Talon qui aime faire péter des trucs. Mais ensuite voilà, le centre de commandement, le bruit passif dû à la population, ça fait du bruit, l'atelier fait du bruit, la clinique fait du bruit, le dortoir, etc. Donc en fait tout fait du bruit, ce qui signifie que je vais sans doute essuyer beaucoup d'attaques. Mais c'est pas grave, on est balèze. Voilà, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Donc ben, on a un petit peu progressé, donc on a évidemment changé de base, ce qui était quand même l'un des objectifs principaux de cet épisode. On a quand même bien visité la foire. Alors il reste du blanc ici, mais en fait en l'occurrence il ne reste que des sacs de matières premières. D'ailleurs ben, j'en avais trop donc je les ai laissés. Mais là comme je suis revenu à des stocks un peu plus normaux, va falloir que je retourne les chercher. Là il y avait pas mal d'infestations que j'ai réduites, qui vont revenir évidemment, mais qui voilà, j'ai quand même réduit un petit peu la menace. Il va falloir détruire le cœur de peste évidemment. Nettoyer cette zone là aussi. Il faudrait que je regarde ce qui fait cet avant-poste avancé là, amélioré on va dire. Ensuite ici ben, la zone est fortement infestée. Il va falloir que je vois aussi donc les prochaines missions là, de la botaniste ou je sais pas quoi. Il y a eux qui veulent de l'aide, il va falloir que j'aille voir aussi. Et puis ensuite, on va évidemment nettoyer la zone, mais voilà, là, cette petite ville a été bien nettoyée, donc on a bien avancé quand même au niveau de la map. Il y aura évidemment les missions du Montaner avec Hoffman et compagnie, Wilkerson. Voilà, donc on a bien avancé, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !